dire. Abonne-toi à l'autre My Way, poteau. Bon, bonjour à tous. Les Dark. Oh putain. J'espère que vous êtes tous très bien. Non, oh, putain, elle sert à ce truc. On se retrouve sur la chaîne de la MMA, ouais. Là, je suis en train de manger parce que. Je suis en train de rentrer des cours. Putain, que c'est bon, les salades. Bon, bref. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo. La chaîne de la MMA, ouais. Et comme j'ai pas beaucoup de temps, bah. Je prends mon goûter en même temps. Voilà. On va se poser. Ah putain, j'avais foutu partout. Bref. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour l'autre vidéo. Donc la dernière fois, je voulais parler des méfaits, des bienfaits. Ah putain, ça reste trop bon. Des bienfaits des jeux vidéo. Ah, c'est bon, j'ai fini. Des bienfaits des jeux vidéo. Aujourd'hui, on va parler des méfaits, justement. Le salaud, tu vois, ça lui dit Timmy. Eh ouais, maman, regardez. Eh, je peux jouer tant que je veux. Non, tu peux pas. Voilà, il faut rester calme. Donc. Attends, j'ai un truc coincé là. Voilà. Ok, c'est bon. Donc, quand je vais pas faire comme la dernière fois où justement j'avais énuméré tous les bienfaits qui pouvaient subsister lorsque vous jouiez aux jeux vidéo. Mais aujourd'hui, on va parler plus en détail d'un seul truc, parce qu'il n'y a pas vraiment de méfait à proprement parler, sauf un seul, voilà. Donc ce sera un peu différent de la dernière fois. Donc au niveau du gameplay, bah j'en sais rien, vu que je viens de rentrer des cours. Donc vous verrez, hein. Je vais dire Black Ops 3, voilà. C'est déjà beaucoup de vous dire ça, et ouais, oh, t'as vu le spoil? Oui, salaud. Ah, bref, donc aujourd'hui, donc... Ah putain, n'hésitez pas à voir la description, vu que je peux pas dire quel est le player, etc, etc. Vous regardez, vous voyez, et puis voilà, si ça vous plaît, bref, si le gameplay est joli, vous checkez, et puis voilà, vous cliquez, bref. Donc le salaud d'aujourd'hui que je suis va vous parler des méfaits, oh putain j'ai du mal, des méfaits des jeux vidéo. Alors pour commencer, il faut savoir que le méfait, ou plutôt ce qu'on va aborder aujourd'hui, ce sera l'addiction. Et en effet, je le ferai dans une prochaine vidéo. Ah oui, mince, j'ai oublié de parler un truc. Oh le salaud. Bref, donc je fais très rapidement. Dans la dernière vidéo, je vous avais dit comme quoi, si vous répondez bon à une question, je vous mettrai moi en train de twerker. Le souci, c'est qu'il y a eu un mec de la On My Way qui a répondu bon, alors je lui avais pas dit. Du coup, je sais pas si je dis. Soit je mets la vidéo, mais le problème c'est que c'est un membre de la On My Way. Du coup, ça me gêne, même s'il l'a trouvé. Donc du coup, là ce que je voudrais c'est dans cette description, vous m'écrivez autant de fois chameau. Et si on atteint les 30 chameaux, et bah du coup là je mettrai ma vidéo en train de twerker dans la prochaine fois où j'arriverai sur la MMA. Ouais, voilà. Bref, donc petite parenthèse assez rapide, bon bref. Donc on va parler d'addiction. Donc l'addiction, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est quoi? En gros, l'addiction c'est tout simplement ne pas pouvoir se passer de quelque chose. Alors ça n'aborde pas forcément le cadre des jeux vidéo en particulier. On en parle très souvent parce que voilà, c'est ce qui est, on va dire, pointé du doigt par les médias ou par tout ce qui est dans le but d'informer. Tout simplement parce qu'on est dans une génération tournée très facilement vers la nouvelle technologie. Et donc on arrive très facilement à donner des arguments comme quoi celle-ci n'est pas bonne. Et donc il faut revenir à une génération d'antan où celle-ci vivait encore sur des chameaux. Bon bref, donc simplement c'est de ne pas pouvoir se passer alors ça de quelque chose. Alors ça peut être bénéfique comme une passion, et ça peut être justement un méfait lorsque justement celui-ci prend la place de votre vie. Alors sans trop vous dire combien d'heures de jeu vous devez jouer lorsque vous jouez à un jeu vidéo, le tout c'est de comprendre que on a tous une vie sociale, une vie privée, une vie sentimentale, etc, etc, et que la place qu'a les jeux vidéo dans cette vie est importante, au sens où lorsque vous jouez à un jeu vidéo, forcément vous jouez peut-être pas tout seul, voilà, vu le nombre de jeux vidéo qui sortent ayant pour intérêt de jouer en multijoueur, c'est vrai qu'on peut suggérer que vous jouez certainement à Call of Duty avec vos potes, et puis voilà. Ou même avec d'autres personnes que vous rencontrez, tout simplement, c'est le but de jouer ensemble, comme je l'avais dit dans la précédente vidéo, n'hésitez pas à les checker. Mais néanmoins, cette place peut être importante lorsque elle est... Pour le moins trop, elle est en train de prendre
la place de votre vie entière, au sens où vous ne dormez pas plus que ça, vous ne mangez pas plus que ça, ou si vous mangez, vous mangez devant votre jeu. Moi personnellement, je vais le dire, moi j'ai été un addict fan de Minecraft lorsque j'avais 11 ans. Je me souviens, je me levais à 8h pour me coucher à 23h tous les jours. Alors je peux te dire mon petit gars, que moi j'allais aux toilettes une fois toutes les 2 heures, et que mon père m'apportait des baguettes pour que je puisse survivre. Voilà, c'est te dire. Bon bref, oui, ça tourne encore. Oui, ça tourne encore. Tant mieux. Bref, putain, c'est le bordel ce commentaire. Mais c'est pas ma faute, voilà, c'est les cours, etc. Moi, je suis fatigué. Je suis fatigué. Bon, bref, t'as compris la blague, t'as compris, t'as pas compris. Bref, c'est pas grave. Le tout, c'est de comprendre que cet isolement que vous pouvez avoir lorsque vous jouez à un jeu vidéo est pour le moins important lorsque vous ne vous en rendez même plus compte, finalement, que vous êtes systématiquement dans un univers qui n'est plus le vôtre. N'hésitez pas à vous référer au premier épisode sur les bienfaits, où là justement j'évoquais le fait de rentrer dans un nouveau monde permettait de s'échapper de sa vie. Donc bien évidemment, si le fait d'arriver dans un univers prend le pas sur celui dont vous êtes réellement, le jeu vidéo perd totalement de son intérêt. Après, bien évidemment, il y a une différence entre addict et passionné, je tiens à le répéter. Vous pouvez très bien être joueur deserto et passer beaucoup de temps à jouer sans être forcément addict, mais tout simplement parce que c'est soit votre job, ou soit parce que vous voulez vous améliorer, etc., etc. Bref, donc ce que je pourrais vous dire, ce serait de faire attention aux heures, au temps que vous passez devant les jeux vidéo. Donc ça passe tout simplement par limiter plus ou moins, faire des petites pauses de temps en temps. Faut comprendre aussi que on s'amuse beaucoup plus, c'est comme le sexe. Il parle du sexe, moi aussi, j'ai 12 ans, j'ai déjà connu ça. Bon bref, c'est comme le sexe, si vous en faites non-stop, à un moment donné, ça perd de son goût, hein. Gérard, t'as compris la blague? Ouais, j'ai compris. N'importe quoi, bon bref, c'est comme tout, si vous le répétez non-stop, à un moment donné, vous ne retrouvez pas la sensation de base. Je viens de penser que je parlais de sexe il y a quelques secondes. Bon, c'est pas grave, hein. Tout simplement, c'est pas grave. Bref. Donc voilà à peu près ce que j'avais à vous dire. Donc j'ai pas forcément besoin de faire une grande vidéo pour vous expliquer en quoi l'addiction c'est mauvais, etc., etc. Je pense que vous êtes tous plus ou moins assez matures pour le comprendre, que voilà, il est important d'avoir une vie sociale, de faire la part des choses entre sa vie et l'univers dont on fait partie lorsqu'on intègre un jeu vidéo. Voilà, le tout c'est bien de comprendre qu'il y a une partie pour s'amuser, une partie où il faut étudier, et une partie où on peut profiter de la vie, entre guillemets, avec ses amis, etc. C'était très très niais comme phrase, en tout cas. Bref, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à lâcher un petit like, un petit commentaire pour le connard que je suis. Je ferai donc la prochaine vidéo sur Peggy. Ou à moins qu'il y ait des news sur Black Ops 3. Donc je ferai la nouvelle vidéo sur Peggy, et etc. Et j'espère qu'elle vous plaira, tout simplement. Bref, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo sur la chaîne de Lord Maway. Et d'ici là, portez-vous bien.